aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer cette chemise. Voici notre chemise que nous avons complètement coupée, la partie dont nous n'avons pas besoin. Là, on veut dos nu. Et je vais juste vous mentionner que ici, là, regardez, lorsqu'il y a une manche, on peut avoir de l'ampleur ici, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il n'y a pas de manche, on a besoin que l'habit soit près du corps, qu'on ne voie pas l'intérieur du corps, n'est-ce pas? Donc, on va aller sur la pince de poitrine. On va tenir une pince comme ceci, la valeur extra, on va pincer comme ça, et on va coudre jusqu'à un niveau là, vous voyez comme une pince, on va juste, pas jusqu'ici en bas non, on va coudre et s'arrêter là, et on va régulariser l'extrême, le décalage, donc lorsque je vais coudre, je vais régulariser ce décalage aussi. Régulariser ce décalage et le biais que j'ai repassé tout à l'heure, ce que je vais faire pour que ça marie avec ma jupe, alors je vais utiliser ce biais-ci que je vais coudre là. Okay. Je vais repasser, je vais coudre le biais comme ceci tout autour des deux côtés et ensuite je vais utiliser le même biais mais plus long que je vais coudre tout autour. Donc là je laisse une corde. Que je vais attacher dans le cou et je vais placer mon biais comme ceci. Là, je mets le tissu à l'intérieur. Après avoir cousu la pince, je vais coudre mon biais tout autour comme ceci. Quand on est... Allez, mon joli mannequin, tourne-toi s'il te plaît. Alors, je vais tourner comme ceci, contourner avec le biais comme ceci. Là, comme ceci, jusqu'en avant et venir faire le nœud dans le dos. Ceci. Et ce sera tout. Alors, passons à la phase de la confection. Thank you.
vous remarquez dans le dos, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai augmenté l'élastique. Ça permet à ce que le dos ne soit pas tombant. Okay? J'ai mis un petit jeu d'élastique qui donne cette flexibilité et permet à la bille de rester vraiment collée sur le corps. Là, nous allons placer notre belle jupe que nous avons confectionnée. L'avantage avec le boutonnage avant, c'est que vous pouvez laisser la fente au niveau que vous voulez. Si vous voulez, vous le boutonnez jusqu'en bas ou sinon, vous mettez, vous augmentez la fente comme vous désirez. Et voilà notre modèle. Alors là, c'est un peu ample parce que c'est à ma taille que j'ai cousu la jupe. Hein. Je vais essayer, vous allez voir le résultat final, mais voici. Faire, c'est de tourner le boutonnage et de le mettre sur le côté. Vous pouvez mettre le boutonnage sur le côté comme ceci et décider de faire carrément une fente ouverte et porter avec un pantalon dans le bas ou avec un col. Vous boutonnez là et vous ouvrez comme ceci avec un pantalon dans le bas. J'aurai l'occasion de mettre cette tenue et de faire des photos pour vous envoyer. Alors, dis-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce modèle. Est-ce que vous l'avez préféré avec des longues manches ou est-ce que vous préférez cette transformation? À vous de me le dire. Et merci, partagez, likez et n'oubliez pas de me rejoindre dans le groupe pour tous ceux qui veulent apprendre à coudre. Pour tous ceux qui sont passionnés de la couture ou pour tous ceux-là qui aimeraient rectifier leur tenue. Bisous, bisous, je vous aime.